Welcome, everyone. Thank you for attending our Gutsy Learning Series event today on managing your IBD. Bonjour, voici et bienvenue à la soirée ce soir. Je suis Sarah Gerhanian, je suis la gestionnaire du programme. Avant de plonger dans notre webinaire, notre présentation et introduire nos invités, je veux juste vous donner quelques technicalités. Bon, cette session est offerte en anglais et en français. Pour avoir accès à l'audio francophone, vous devez cliquer sur l'interprétation. C'est un globe tout au bas de votre écran Zoom. Et lorsque vous sélectionnez le globe, vous allez sélectionner le français comme option de langue. Si vous avez des problèmes techniques, soit avec la sélection de l'option française, utilisez le chat ou la boîte de questions-réponses en bas sur la barre Zoom. Si vous expérimentez toutes sortes de d'autres problèmes, vidéo, audio, rafraîchissez votre URL ou recommencez le Zoom sur votre appareil. Et ensuite, vous pouvez partager vos préoccupations, vos questions dans la boîte de questions-réponses et on va y revenir le plus vite possible. Et pour débuter, j'aimerais reconnaître le territoire ancestral de non cédé de tous les peuples inuits, Métis et les Autochtones qui vivent sur ce territoire. Au travers de cette reconnaissance, nous reconnaissons le respect pour les territoires traditionnels des communautés et qui contribuent à la promotion de réconciliation. Ensuite, j'aimerais aussi offrir une clause de non-responsabilité. Le matériel contenu dans cette représentation de Compte Canada est destiné à des fins éducatives seulement. Ils ont une valeur générale et peuvent ne pas s'appliquer à des situations médicales précises. Les ressources en ligne ne remplacent pas le jugement et les soins personnalisés d'un professionnel de la santé qualifié. Donc, si vous avez des questions, nous allons faire de notre mieux pour les répondre ce soir et on peut vous référer à votre spécialiste de MII ou votre soignant principal pour répondre à vos questions. Et pour ceux qui se joignent pour la première fois aujourd'hui, j'aimerais aussi partager Crohn et Colite Canada, son engagement. Crohn et Colite Canada veut améliorer la vie des enfants et des adultes avec qui sont touchés par des maladies chroniques et qui veulent améliorer la vie des enfants et des adultes qui sont affectés par ces différentes maladies. Nous apprécions votre intérêt dans notre organisation et en étant présents dans cet événement aujourd'hui, nous voulons avoir un impact positif dans la vie de la communauté du MII. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est affecté par Crohn et colite, aux colites ulcéreuses. Nous vous invitons aussi à explorer nos prochaines sessions où les individus peuvent se connecter avec d'autres qui savent que c'est quoi vivre avec une de ces maladies. Ils sont des rassemblements virtuels principalement. Nous avons des sessions en décembre que vous allez voir ici sur l'écran. Vous êtes bienvenus d'utiliser votre téléphone pour scanner le code QR et qui vous amènera directement au site web qui vous donnera plus d'informations et le lien pour vous inscrire. Si vous voulez être présent dans d'autres webinaires semblables à celle-ci d'aujourd'hui, vous pouvez vous joindre à nous pour d'autres séries d'événements de webinaires. Et nous avons une en janvier qui va se concentrer sur la diète méditerranéenne pour les MII et en discutant les différentes preuves sur cette diète et ses bienfaits pour les gens qui vivent avec les MII. Et le 7 février, nous allons couvrir le risque du cancer dans la maladie de Crohn et colite et comment naviguer ces différentes préoccupations. Et maintenant, après avoir passé au travers de cette introduction, merci d'avoir patienté avec moi. Je suis vraiment ravi d'introduire nos deux invités ce soir. Premièrement, je vais introduire Dr. Ian Epstein. Dr. Ian Epstein est gastro-entrologiste depuis 2009 à Dalhousie University. Dr. Epstein est aussi assistant des affaires faculté de médecine. Il est le co-direction de division pour la gastro-entrologie et le vice-président interne de médecine de spécialité à Royal College, physicien et surgeon de Canada.
Stephen Cobain, le récipiendaire de ce prix, était médecin de l'année de 2018 de Chronicolette Canada. Et ensuite, j'aimerais introduire Barbara McCurry, qui est une praticienne infirmière. Et Barbara a gradué avec un bachelier et maîtrise de Dalhousie University et a commencé sa pratique en 2006. Son travail se concentre sur le MII avec un intérêt spécial dans la pédiatrie et la transition vers la vie adulte, les patients ainsi que les soins liés au MII pour les groupes marginalisés. Elle est membre fondatrice du groupe canadien des soins infirmiers liés à la MII, CANIB, et participe à de nombreuses initiatives de Chronicolette Canada, y compris l'élaboration du guide de préparation aux conversations sur le MII que nous allons couvrir ce soir. Elle était le récipiendaire du prix d'infirmerie de l'année de MII de Chronicolette Canada en 2019. Et finalement, nous sommes ravis d'avoir avec nous Natisha Leila, qui est une partie du panel ce soir. Elle vient d'Ontario, Canada. Elle vit avec la maladie du Crohn depuis son diagnostic à l'âge de 18 ans. Au travers des années, elle a connu de nombreuses complications liées au fait de vivre avec une maladie invisible. Et en 2018, Natisha a réussi à maîtriser sa maladie gravement. Active. Dans l'effort d'utiliser son expérience pour fournir du soutien à la communauté et d'aider à amener bénévole avec Chronicolette cette année-là. Elle a participé dans les Gutsy Walks et elle est un mentor Gutsy dans l'organisation. Natisha espère que ces efforts de bénévolat permettront aux membres de la communauté MI se sentir vus, soutenus et compris. Merci à vous tous. Les invités ce soir pour partager votre expertise avec nous. Et merci tout le monde dans l'auditoire de vous être joint à nous. Et je vais passer maintenant à Dr. Epstein prendre le micro à partir d'ici. Merci, Sarah. Merci de dire le premier nom. J'espère qu'on peut être aussi informel que cette format du webinaire nous permet de l'être. Et je vais essayer d'être informel. C'est un honneur et un privilège pour moi de présenter avec Marge, Barb, que je connais bien, avec Natisha, que j'ai hâte d'entendre ce soir. Avant de préparer mes diapos et de me rentrer dans ma présentation, je dois exprimer la gratitude pour l'invitation reçue. C'est un vrai honneur d'être invité pour parler ce soir à un groupe sponsorisé par Chronicolette Canada, qui est une organisation très spéciale, et je suis vraiment heureux d'être partenaire avec depuis des années, tellement reconnaissant pour toute l'expertise et le soutien qu'ils fournissent à tous les patients que nous essayons d'aider ici à Halifax. Donc, merci. Merci pour l'invitation et merci de m'avoir mis sur un beau panel ce soir. Je crois que j'ai 20 minutes. Donc, j'espère que c'est visible pour tout le monde et je vais lancer mes diapos. La première section du webinaire ce soir est la première 20-25 minutes et pour moi de vous passer au travers de un survol rapide pour gérer votre MII et les faits saillants de ce que vous devriez savoir. Et on va commencer avec un sondage, en fait. Et Lucy, je peux te dire le premier nom et lancer le sondage. Ça va prendre 30 secondes. Et demander à tout le monde ici, c'est vraiment un honneur de voir plus de 250 personnes ici ce soir pour demander comment que vous évaluez vos connaissances actuelles sur les stratégies de gestion de la maladie de Crohn et colite ulcéreuse. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici, bien sûr. C'est un nouveau diagnostic ou quelque chose que vous venez de lire et vous venez plus apprendre. Et que vous apprenez, vous êtes à zéro, c'est un bon départ où vous pouvez, ou que vous avez géré ça, que vous connaissez ça depuis des années. Donc, je laisse ça ouvert pendant 30 secondes pour voir les résultats de 0 à 10. Votre choix. Donc, c'est bien étendu. Merci de nous montrer tout ça. Et donc, il semblerait qu'on a tout le monde qui vote de 0 jusqu'à 7, ou 10 sur 10, pardon. Donc, le panel, donc je ne mettrai pas 10 sur 10. Bon, j'apprends toujours de plus en plus à tous les jours, mais la majorité qui sont assis ici à 5 ou 6 au milieu, et le but ce soir, c'est d'augmenter votre connaissance un peu plus. Donc, les domaines clés, principales domaines de gestion des MII tombent dans différents domaines. En tant que gastro-entérologue, et le docteur ici sur le panel de discussion,
le soin que j'essaie de fournir, que nous essayons de fournir ici dans la clinique, et vous allez entendre la Barb, on essaie d'être compréhensif, mais certainement du point de vue de docteur, ça tombe dans la catégorie de traitement de médicaments plus souvent qu'autrement. Mais ça, c'est seulement une pièce du casse-tête et je veux essayer de vous passer au travers d'un survol de quelques-uns des différents domaines, pas simplement les médicaments. C'est important vraiment de parler de d'autres grands domaines alentour de la gestion du MII. Et ça inclut quatre grands domaines. Le médicament en est seulement une. La diète et la nutrition est un grand sujet. Le style de vie, la qualité de vie, la vie sociale, le travail et la santé mentale, pas simplement les médicaments et le soin des intestins, mais le bien-être en général, c'est vraiment important, un domaine important à discuter ce soir, à réfléchir dans la façon holistique dans la gestion de Crohn et colite. Donc, je vais passer au travail de quelques minutes de chacune de ces trois, voir les traitements, les médicaments, le bien-être mental, le style de vie, la diète, nutrition, c'est séparé, quelque chose que Sarah a expliqué, mais une série Gutsy Learning en janvier sur une de les diètes qui est anti-inflammatoire, la diète méditerranéenne, c'est un grand sujet, la diète, et digne de son propre webinaire. Certainement, il y en a une en janvier, donc j'encourage les gens ici qui veulent savoir plus sur la diète d'aller à Crohn et Colite Canada et découvrir plus d'informations sur le sujet et être présent dans ce séminaire de janvier. Mais ce soir, je ne suis pas de diététicienne, donc on va se concentrer sur d'autres domaines. Donc, dans un instant, on va passer par des différentes options et quelques-uns des autres buts de thérapie, de santé mentale, qualité de vie, vie sociale. Mais parlons premièrement du fardeau de l'MI, de où ça sort. Les symptômes de MI, en fait, sont très larges, ne sont pas tous reliés aux intestins. Et ils sont uniques, chaque individu, chaque personne, malgré que Crohn et colite, son diagnostic est compréhensif pour chaque individu et leurs propres expériences, c'est unique comme présentation. Et donc, les symptômes incluent, mais ne sont pas limités à diarrhée, imporosité, constipation, douleur, gaz, ballonnement, fatigue, sang dans les selles, mais aussi d'autres symptômes. Le concept de la manifestation extra-intestinale, des manifestations de démangeaison, irritation anale, nausées, vomissements, perte d'appétit et perte de poids et de problèmes de sommeil. On va parler aussi de la santé mentale. La gestion est souvent un symptôme direct. Et donc, ça, c'est un exemple ici. Donc, si vous venez voir un gastro-entérologue ou un praticien MII ou un soignant médical avec ce diagnostic de MII, souvent, on va essayer de se concentrer sur les symptômes et la gestion des symptômes. Voici un exemple. Si vous êtes arrivé avec la constipation, on essaierait de découvrir c'est quoi qui se passe. Est-ce que c'est les conséquences de l'inflammation? En faisant des tests, on essaie de considérer les médications. Si on croit que la raison, c'est inflammatoire, on essaie d'ajuster les symptômes dans cette gestion. Et ça, c'est générique. On commence par la constipation et seulement après des modifications à votre plan de traitement uniquement sous la supervision de votre professionnel de la santé. Mais on essaie de traiter les symptômes de la constipation avec les fibres, de l'eau, des agents métamucils ou d'autres laxatifs, de ne pas forcer et de se concentrer sur des exercices au sol. Un autre exemple, ça pourrait être la fatigue, pas aussi particulier que les mouvements de selle, mais ce qu'on essaie de décider, il peut y avoir une inflammation. Donc, vous allez tester, vous allez boire le sang, la médication de gestion de l'inflammation où on en a besoin, on cherche d'autres conditions qui peuvent causer la fatigue. On pourrait regarder la glande thyroïde, par exemple. On pourrait regarder les déficiences en termes de vitamines, la B12, le fer et la vitamine D. Et ensuite, nous parlons de d'autres causes qui viennent avec le MII, c'est la santé mentale. Pensez à la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil et d'avoir des interventions psychologiques ciblées pour traiter ces conditions. Donc, nous avons fait une évaluation des présentations cliniques, les symptômes communs de l'MII, ça nous aide à orienter notre enquête. Au niveau de l'élément anti-inflammatoire et comment on peut avoir une vision globale de comment gérer la maladie de Crohn et la colite. L'objectif est de réduire et de contrôler l'inflammation et par conséquent, améliorer les symptômes et améliorer la qualité de vie. Donc, avec la gestion médicale, les objectifs de cette thérapie, c'est de réduire le fardeau
des symptômes, que ce soit avec des médicaments anti-inflammatoires ou plutôt des immunomodulateurs ou des stéroïdes. Car on dit que c'est une maladie auto-immune, où est-ce que votre système immunitaire est hyperactif, causé de l'inflammation dans votre propre intestin. Donc, les immunomodulateurs et les agents biologiques bloquent les signaux du système immunitaire. Donc, ils rentrent dans différentes classes. Donc, bien sûr, nous ne disons pas que c'est la liste complète des médicaments que vous pouvez utiliser, mais c'est une liste des médicaments communs que vous pouvez voir qui sont prescrits. Donc, dans les anti-inflammatoires, nous avons les 5 ASA et qui sont souvent utilisés au niveau de l'ulcère et de la colite ulcéreuse pour traiter les conditions inflammatoires. Pour les immunomodulateurs, nous avons Rumatrex, Imuran, qui sont utilisés. Pour les stéroïdes, c'est pour des pics d'inflammation. Vous avez Winpreb et Antocort. Il y a d'autres types de stéroïdes et de marques sur le marché également. Nous utilisons également ces 4 classes de médicaments pour la gestion de maladies auto-immunes inflammatoires. Ce sont des médicaments qui vont bloquer les signaux du système immunitaire qui sont impliqués dans la cascade de l'inflammation. Donc, nous avons les produits biologiques qui sont des injections intraveineuses ou subcutanées. Elles existent depuis plusieurs décennies. Humira et Remicade sont les plus vieilles. Et nous avons de nouveaux médicaments comme Entyvio. Dans les dernières années, nous avons les biosimilaires qui ne sont pas génériques, mais le concept, c'est comme un médicament générique. Ce sont des molécules qui ont été créées, qui sont similaires aux produits biologiques. C'est pas exactement comme un générique, dû au fait que ces médicaments existent depuis longtemps et n'ont plus de brevets. Donc, les compagnies ont développé des médicaments qui sont similaires. Il y en a beaucoup plus il y en a plus que ceux que vous avez à l'écran ici. Nous avons Amjevita, Inflectra et Renflexis. Donc, les nouveaux médicaments sur le marché sont des médicaments par os oral. Nous avons les inhibiteurs de la Janus kinase, de la JAK. Et nous avons également les modulateurs des récepteurs de la sphingosine 1-phosphate, de la S1P. Donc, ils vont bloquer la cascade du système immunitaire également. Donc, ce sont de nouveaux médicaments qui sont disponibles pour la voie orale. Voilà, c'était un aperçu global de ce que vous pourriez utiliser pour essayer de gérer votre maladie. Comment est-ce qu'on décide? Je l'ai dit souvent, c'est vraiment orienté selon les symptômes et nous essayons également de faire un traitement par phase et essayer de savoir où est la maladie dans l'intestin. Quels sont vos symptômes? À quel point est-ce que la maladie est active? Et nous essayons d'avoir une approche sur mesure pour chaque personne individuelle. Et nous le faisons avec différentes stratégies. Cela inclut des tests sanguins, les tests des selles. Nous allons parler également de rayons X, de CAT scan et encore plus important, de vos symptômes. Donc, des tests biochimiques avec des analyses sanguines ou des analyses de selles. Donc, au niveau des analyses sanguines, nous regardons les globules rouges, les globules blancs, l'état nutritionnel et carence au niveau du fer, de la vitamine B12 et de l'acide folique. Et nous regardons également la protéine C réactive qui augmente lors d'une situation d'inflammation. Les tests de selles, nous vérifions pour des infections comme l'infection à la clostridiode difficile, donc le C difficile. C'est quelque chose que nous voyons plus communément dans les patients qui ont de la difficulté et qui ont le MII. La calprotectine fécale est similaire à la protéine C-réactive, donc c'est un élément chimique de la selle qui augmente lorsqu'il y a une inflammation. Nous aimons également surveiller l'activité de la maladie ou le niveau d'inflammation par localisation ainsi que les complications et l'évolution de la maladie, établir les causes possibles des symptômes associés à la maladie de Crohn et à la colique. Et la recherche des signes d'infection, d'anémie, de carence nutritionnelle et d'autres affectations.
Des fois, nous devons faire des examens plus internes, à l'interne, pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. On peut faire ça avec des endoscopies, donc des tests endoscopiques. Vous le voyez ici dans le petit dessin. Nous insérons cette tige dans le côlon, ou bien on peut le faire par la bouche. Nous allons jusque dans l'estomac et dans le petit intestin. Donc, c'est une endoscopie de la partie du haut. Et les petites parties entre les deux peuvent être vues par des petites caméras en forme de pilule qui s'appelle une endoscopie par capsule. Nous avons également des techniques d'imagerie comme la radiographie au barium, l'échographie, la tomodensitométrie. Donc, ce week-end, j'ai formait un groupe de gastro-entérologues et je leur apprenais d'utiliser les radiographies comme étant une façon non invasive de tester. Donc, on peut faire le suivi aussi. Vous pouvez faire un suivi des symptômes par vous-même sans faire de test de sel ou d'imagerie. Donc, les symptômes sont plus faciles à regarder. C'est un élément que nous pouvons suivre. Ce n'est pas le seul élément parce que des fois, les symptômes peuvent avoir différentes causes. Mais j'encourage les gens, si vous êtes intéressés, regardez l'application MyGut pour voir les selles fréquentes, les sentiments d'urgence, le segment, les nausées, le vomissement, la douleur, l'alimentation, le poids et votre niveau d'énergie et de fatigue. Alors, voici le code QR pour avoir accès à l'application MyGut, mon estomac, mon ventre. Donc, nous allons parler avec la gestion de la maladie de Crohn et colite et de vérifier vos symptômes, c'est un bon début. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais vous parler de la santé mentale rapidement et nous terminerons avec quelques énoncés de qualité de vie. Donc, pour revenir à l'un de mes commentaires au début, la santé mentale, le bien-être, l'anxiété, la dépression, ce sont tous de gros joueurs dans la façon dont la Crohn et la colite se présentent. Et pourquoi? Il y a différentes raisons pour cela. L'une d'entre elles, c'est qu'il y a une connexion bien établie entre le ventre et le cerveau. Donc, il a été établi que les changements dans notre estomac vont changer notre disposition cervicale. Donc, comment nous nous comportons, qu'est-ce que nous pensons, comment on se sent. Donc, il y a vraiment un cycle entre le cerveau et le ventre. Et la plupart de ces signaux sont faits de façon inconsciente. Et les fréquences et les fréquences dans le cerveau sont dérangées par différents éléments chimiques dans le ventre et ça peut causer que les douleurs persistent et se voient accrues. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de ces problèmes de santé mentale et de reconnaître que c'est un symptôme et quelque chose d'important à mentionner à votre docteur. Donc, lorsque vous faites le suivi de vos symptômes, ce n'est pas juste la fréquence des selles ou la douleur que vous vivez, c'est plutôt aussi la santé mentale. Et Robert va en parler dans une minute. Comment vous pouvez initier une conversation avec votre spécialiste? Il y a même un outil qu'elle va vous donner. Donc, la santé au niveau du stress et de l'anxiété, c'est important. Il y a d'autres éléments qui peuvent affecter votre qualité de vie. Vous pouvez avoir une certaine... Vous pouvez vous sentir coupable parce que vous êtes malade, de voir que vous n'êtes pas fiable. Vous devez prendre des jours de congé au travail. Et aussi, il y a les malaises au niveau de la gêne d'avoir cette maladie. Et ça peut affecter la qualité de la vie. Les signes de stress dans le cadre des MII peuvent faire augmenter la douleur et la faire persister après la disparition de l'inflammation. Et ça peut déclencher des symptômes de MII. Des fois, c'est difficile de distinguer le stress et l'anxiété. Les symptômes sont similaires, mais le stress est une réponse à court terme et l'anxiété est souvent un trouble de longue durée. Donc, les signes d'anxiété, l'anxiété se caractérise par une inquiétude excessive et persistante, difficile à contrôler. Elle s'accompagne de symptômes psychologiques et comportementaux, comme éviter des situations redoutées comme manger ou boire,
et physiques, par exemple les troubles du sommeil, les tensions musculaires, les maux de tête, les maux d'estomac. Le diagnostic nécessite la présence d'au moins 3 symptômes physiques caractéristiques. La dépression est également persistante à tous les jours pendant au moins 2 semaines. Elle est excessive, continue et interfère avec la vie quotidienne. Les symptômes psychologiques et émotionnels comprennent notamment le désespoir, la culpabilité, la dévalorisation, le manque d'énergie ou de motivation qui sont tous associés avec la dépression. Et les symptômes physiques comme l'insomnie ou l'hypersomnie, l'incapacité à rester éveillé, augmentation ou diminution de l'appétit et de la fatigue. Donc, pour gérer votre santé mentale, nous avons des conseils pratiques. Prenez soin de votre corps en mangeant sainement, en faisant régulièrement de l'exercice et en dormant suffisamment. Établissez une routine quotidienne. Échangez avec vos proches. Faites des pauses. Ayez un style de vie sain. Évitez l'alcool, le tabac et les autres drogues. Essayez de rester motivé, d'être impliqué en faisant du bénévolat et parlez-en, comme on l'a déjà mentionné. Les professionnels de la santé mentale comprennent les conseillers, les psychologues, les psychiatres et les infirmières praticiennes. Barb va vous expliquer un peu comment faire pour avoir une référence. Certaines personnes peuvent vous donner un rendez-vous virtuel, donc il y a des techniques pour vous aider. Des plans de bien-être, des stratégies de traitement, des médicaments et plus encore. Donc, c'est normal de ressentir une gamme d'émotions lorsqu'on reçoit un diagnostic de Crohn et colite. C'est important de reconnaître que ce n'est pas seulement les symptômes du MEI. Il y a une vision plus holistique que nous essayons d'avoir et cela inclut la santé mentale. Il est important de rapidement diagnostiquer et traiter les troubles de santé mentale et avec le soutien de vos familles, de vos amis, votre famille. Donc, Barb, je te donne la parole bientôt. Il me reste 5 minutes maximum. Donc, l'impact des MEI sur la vie sociale et la qualité de vie. Vous pouvez imaginer, avec ce que je viens de vous dire dans les 15 dernières minutes, je parlais des symptômes du GI et la santé mentale et le bien-être. Il y a un impact significatif sur la qualité de la vie et la vie sociale. Les personnes atteintes de la maladie de Crohn et de la colite font état d'un niveau élevé d'isolement social en raison de nombreux facteurs, y compris le fait de devoir composer avec les symptômes, l'impossibilité d'adhérer à des clubs sociaux ou participer à des activités sportives, de ne pas pouvoir utiliser les toilettes en raison d'une incontinence. Donc, il n'y a pas une solution qui est pareille pour tous, mais nous pouvons penser à un plan de traitement et des médicaments qui vous sied à vous. Et à cause qu'il n'y a pas une seule solution pour tous, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe avec vous pour que nous puissions avoir des interventions ciblées. Pour ceux qui ont de la difficulté avec des urgences, vous pouvez faire un plan de toilette avant de quitter la maison, des stratégies avec des médicaments antidiurétiques, éviter des aliments qui peuvent déclencher une diarrhée. Pour certains, ça pourrait être une stratégie au niveau de l'exercice. Les exercices légers à modérés sont considérés comme sûrs et aussi anti-inflammatoires. Ça peut être avantageux. Donc, apprenez qu'est-ce que votre corps peut faire. Parlez-en avec votre médecin et prenez le temps d'inclure l'exercice dans votre stratégie. Donnez-vous le temps de vous ajuster et de vous adapter et soyez flexible quand il y a des pics ou des poussées. Vous pourriez avoir des impacts sur votre travail ou à l'école. Vous avez peut-être besoin d'être accommodé ou vous avez besoin d'une note du médecin. Donc, vous pourrez discuter avec le département à l'école et si vous êtes confortable, vous pouvez en parler avec votre patron, votre professeur et votre spécialiste. Il pourrait y avoir des lettres, il pourrait y avoir des accommodations à l'école pour les repas ou peut-être l'endroit où vous étudiez. Et le dernier est de dire que nous ne sommes pas les seuls. 293 personnes participent à cet événement. Donc, parlez à vos amis, à votre famille et vos expériences et vos besoins. Trouvez des groupes de soutien. Communiquez avec les personnes qui vivent la même chose que vous. Téléchargez l'application de localisation des toilettes Go Here pour trouver les toilettes les plus proches partout au Canada. Alors, je vais arrêter et je partage l'écran à Barb.
Thank you, Ian. Just bear with me for a second. Merci, Ian. Patiente avec moi un instant. Je vais partager mon écran et pendant qu'on fait ça, j'aimerais aussi répéter. C'est pas ce que j'ai besoin de faire, pardon. Partager mon écran ici. Donc, répéter les commentaires d'Ian. Pour remercier Crohn et Colitis Canada pour l'opportunité de parler ce soir. Je suis désolé. Ma présentation PowerPoint disparaît de mon écran, donc j'ai simplement besoin de télécharger ça encore une fois. Patientez un instant, nous l'avions et maintenant, elle n'est plus là. Un instant, s'il vous plaît. C'est une belle présentation, Ian. C'est tellement apparent à nous et plusieurs personnes qui participent ce soir que de vivre avec une maladie chronique n'est pas facile. On peut tout apprendre un des autres. Bon, je peux toujours partager de mon côté, j'ai le deck principal. Pas aussi facile, mais je vais essayer une dernière chose ici. C'est bon, je peux le voir, je vois les diapos. Vous voyez les diapos maintenant? Je suis là, voilà, OK, bravo. Bon, désolé pour ça, mais merci encore tout le monde de participer ce soir dans cet événement. J'ai simplement quelques diapos parce que je voulais prendre du temps avec vous pour passer au travers du guide que je vais vous présenter ce soir. Quelques-uns ce soir ont possiblement été participants à développer ce guide. Il y avait des groupes de commentaires qui vivent avec le MII. Possiblement, vous regardez ce soir, que vous participez ce soir ou qui ont déjà participé. Je crois que c'est un beau guide et j'ai vraiment hâte de le partager avec vous tous. Donc, avant d'avancer, j'aimerais simplement vous poser cette question. Combien de fois avez-vous oublié de poser une question importante lors de votre rendez-vous médical pour votre MII? Bon, ça ne peut pas nécessairement être avec le gastro-entérologue, ça peut être n'importe quel de vos spécialistes du MII. Je vais vous donner un instant ici à répondre. Jamais, rarement, parfois, la plupart du temps. Donc, nous pouvons voir ici que très rarement que les gens oublient de poser la question, mais rarement 17 et 57 % plus de la moitié des fois oublient et 24 % des gens oublient la plupart du temps demander une question importante qu'ils avaient ou à laquelle ils ont pensé avant d'aller voir le spécialiste. OK, bon, nous allons plonger dans le guide un peu plus, mais je voulais vous montrer ici l'entièreté de la page, à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est une page simple, mais de l'avant à l'arrière, et encore une fois, ce guide a été développé par des gens qui vivent avec le MII. Donc, je crois fermement que ça reflète les préoccupations et les expériences de vie des gens avec le MII. Pour clarifier simplement dans mon introduction, j'avais dit que je suis infirmière depuis 2006. En fait, je suis une infirmière depuis 87. J'étais praticienne de MII depuis 2006. Donc, j'ai 36 ans d'expérience d'infirmière. Je peux vous dire que je crois fermement que ce guide reflète la vraie vie avec le MII. Et on espère que ça va aider à former ces conversations importantes dans le futur. Et en partageant cette information avec le physique, l'impact mental, émotionnel, social, comme Ian a mentionné,
peut être vraiment difficile. Vous savez, il y a une stigmatique alentour des intestins. C'est pas quelque chose qu'on en parle souvent, pas nécessairement qu'on est colette, mais on parle de nos intestins. Dans notre culture, c'est pas quelque chose qu'on fait en tout temps. Donc, la possibilité de se concentrer sur les domaines de votre vie qui vous causent le plus de préoccupations est une belle façon de rentrer dans votre rendez-vous. Vous savez, en 2023, le buzz, particulièrement dans la maladie de l'inflammatoire, c'est le partage de décisions. C'est-à-dire que la personne qui vit avec le MII sent comme un partenaire dans les décisions qui doivent être, qui sont prises sur comment percevoir leur traitement ou leurs soins en général. Donc, on va rentrer plus dans le vif du sujet et vous allez voir sur un grand écran ici. Donc, voici la première partie. Donc, encore une fois, ça peut être un PDF. Vous pouvez le télécharger de Chronicolite. Vous pouvez... Bon, je ne suis pas sûr si on a la possibilité encore de que ça soit électronique ou que ça soit envoyé de façon numérique à l'avance de votre rendez-vous. Et ça pourrait, d'une façon ou d'une autre, être téléchargé dans les dossiers médicaux. On a eu des discussions de base en autour de tout ça. Lorsque vous venez pour votre rendez-vous, vous pouvez l'amener avec vous ou possiblement qu'elle est déjà téléchargée dans votre dossier de soignant. Mais d'une manière ou d'une autre, on va regarder ici. Donc, la première partie de la conversation regarde les symptômes physiques. Et en fait, il y en a 6 questions ici. Donc, sur une échelle de 1 à 4, 1 étant aucun symptôme, 4 étant sévère. Dans le dernier mois, mes symptômes incluent l'urgence dans les selles, la fréquence des selles, plus de 3 fois par jour, les selles sanglantes, douleur abdominale, fatigue et autres précisés. Donc, dans ces cases, vous pouvez cocher 1, 2, 3 ou 4, 4 étant sévère et 1 étant pratiquement aucun symptôme. Mais lorsque vous arrivez à votre rendez-vous, si vous avez 4 pour l'urgence des selles et les selles sanglantes, ça devrait diriger votre rendez-vous. Très rapidement, on peut voir que dans le dernier mois, vos selles, l'urgence, la fréquence, les selles sanglantes sont passées à 1,4 et la dernière fois qu'on s'était déjà vu, il était à 1,1. Il y a quelque chose qui se passe, on doit vérifier. Il y a différentes façons qu'on peut s'y prendre. Probablement que vous êtes familier avec quelques-unes de celles-là. Donc, la deuxième partie de l'outil, on va s'y rendre après cette diapo. Regarde à discuter votre santé mentale avec votre soignant. Et tel que noté, beaucoup de gens luttent avec la discussion de leur santé mentale et l'impact de vivre avec une maladie chronique, une maladie gastro-intestinale. Comment ça affecte leur qualité de vie et leur santé mentale. Nous savons de plusieurs études qui ont été publiées que les gens qui vivent avec le MII ont un plus haut taux d'anxiété, de dépression. En parlant de vivre avec le MII qui affecte la santé mentale, pardon, comment ça peut affecter votre santé mentale? Ça peut être difficile. Est-ce que les gens parlent des fonctions intestinales? Certainement, on n'en parle pas en public et qui laisse les gens avec le MII qui se sentent bien isolés, particulièrement au travail. Ou les gens se demandent pourquoi vous avez besoin d'aller aux toilettes si souvent, aux demi-heures, ou pourquoi vous êtes là si longtemps, ou pourquoi, bon, vous travaillez de la maison et que les autres ne peuvent pas. Donc, il y a toujours toutes sortes d'impacts que les gens de MI peuvent avoir sur votre vie quotidienne. L'outil que nous allons discuter ce soir peut vous fournir, à vous et votre spécialiste, un point de départ pour voir comment que le MI impacte votre santé mentale. Discuter l'impact de MII sur vos relations intimes est difficile. Plusieurs de mes patients prennent du temps de me dire que eux et leurs partenaires ne sont pas intimes à cause des préoccupations en entour de l'incontinence fécale ou les fistules ou toutes sortes de raisons. Pourquoi c'est difficile d'être intime? Possiblement qu'il y a un nouveau ostomie et ils ne sont pas sûrs si leur partenaire va accepter cela. La possibilité de discuter ces sujets sensibles et d'identifier les ressources possibles est bien appréciée par les gens qui vivent avec le MII à tous les jours.
Donc, sur cette note, la prochaine partie de la conversation et le guide se concentre sur le mental, l'émotionnel et les impacts sociaux du MII et ses effets sur vous en tant qu'individu. Donc, vous pouvez voir ici, à ma gauche de l'écran, dans le dernier mois, j'ai manqué X journées d'école ou de travail, j'ai manqué X événements sociaux ou familiaux, X montants d'accidents intestinaux. Je n'ai pas évité le voyagement loin de la maison à cause de mon MII. Je suis jamais occasionnellement ou souvent constamment inquiet de les inflammations futures, même quand je me sens bien. Et encore, je ressens un stress ou une anxiété générale dans ma vie quotidienne à cause du MI. Donc, dépendant de comment quelqu'un pourrait remplir cette fiche, encore une fois, peut se concentrer la conversation sur « Oh, on va dire, OK, tu as manqué 14 jours de travail dans le dernier mois. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? » On a eu deux accidents intestinaux ce mois-ci. Explorons ça un peu plus. Et ensuite, de l'autre côté, en échelle de 1 à 4, 1 étant aucun impact et 4 étant sévère, l'impact que l'AMI a eu sur les relations sociales, les relations intimes, votre carrière, vos opportunités d'éducation et les responsabilités quotidiennes comme les tâches ménagères, la garde des enfants, les courses et votre santé mentale. Il y a une petite boîte d'explications. Évidemment, ce n'est pas beaucoup de place, mais c'est assez pour noter quelques petites pensées. Expliquer comment que les AMI ont un impact sur votre santé mentale et ensuite sur les loisirs. Et autres, préciser les autres, bien sûr, peut être n'importe quoi qui est important pour vous. Sur la page arrière, il y a un questionnaire alentour des choses principales. Quels sont les impacts qu'est-ce que ça vous empêche? L'AMI vous empêche de faire encore à la droite, il y a des exemples. Possiblement que vous voulez aller en voyage et que vous êtes inquiet de prendre amener vos médicaments avec vous. Possiblement que ce n'est pas toujours inquiet d'avoir un problème intestinal. Est-ce que je vais avoir mon traitement là, sans problème? Je cherche à avoir des extensions sur des examens ou je cherche d'autres adaptations. Comment puis-je m'y prendre? Et si tu pouvais discuter un seul problème avec ton infirmière ou ton médecin lors de la prochaine rendez-vous, quelle serait votre priorité? Comme vous pouvez apprécier, il y a des jours où il y a multiples choses que vous voulez faire à vos rendez-vous. X montant de temps et on doit s'assurer qu'on adresse des choses qui sont uniques pour nous, qui ont un impact dans notre vie. Le plus et aussi du point de vue médical, symptomatique, dans cette perspective, sommes-nous en train de rencontrer nos cibles de réduire l'inflammation? Donc, nous devons équilibrer le tout, évidemment, avec tout ce qui est important pour vous en tant que patient. Il y a une section, écrire vos médicaments, c'est toujours utile. Parce que elle change, votre soin principal veut changer vos médicaments, possiblement que vous voyez d'autres spécialistes. Donc, c'est toujours bon d'avoir une mise à jour avec vous. Et finalement, la dernière page, c'est d'autres questions utiles à demander durant votre rendez-vous. Bon, possiblement, voici les questions que vous pourriez oublier. Quels étaient les résultats de mes tests, mes endoscopies, bioscopies, caloprotection, fécale, imagerie, quelles sont mes options de traitement, comment savoir si les médicaments fonctionnent bien, quel est le plan de secours si mes symptômes s'aggravent, et la section pour d'autres notes additionnelles. Donc, ça, c'est quelques-unes des questions qui pourraient arriver durant un rendez-vous. Bon, il y en a une qui vous préoccupe, vous voulez en parler. Vous voulez parler de l'impact sur votre travail, votre vie personnelle, comment approcher cette situation. Possiblement, une autre question pourrait être, je me sens anxieux ou anxieuse de sortir en public et je suis incertain de comment apporter ça à mon spécialiste. Si on retourne à la conversation, le guide, vous pouvez voir dans les domaines ici que nous avons déjà soulignés, il y a des parties que vous pourriez soulever comme
Ça me manque les événements sociaux ou familiaux à cause du MII. J'ai évité de voyager. Je m'inquiète des inflammations. Et donc, dépendant comment que vous allez noter le tout, ça peut être une bonne façon, un chemin croisé pour apporter ces questions dont nous avons discuté ici. Donc, ce que j'aimerais que vous puissiez, à laquelle vous puissiez penser, c'est comment voir cette conversation vous semble-t-il le plus utile. Et il y aura toutes différentes options que vous pouvez choisir. Vous n'avez pas simplement à choisir une. Vous pouvez choisir autant que vous croyez sont appropriées ou vous trouvez que ce guide possiblement serait le plus utile pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez qui vit avec le MII. Donc, je vous donne une minute pour regarder ces options. Okay, let's take a look at this. Voyons voir. Bon, dans tout rendez-vous, 80% disent que vous pourrez utiliser ça dans n'importe quel rendez-vous. Ça, c'est vraiment encourageant. J'ai tendance à être d'accord que peu importe où vous êtes dans votre parcours de MII, il y a toujours des questions qui auront besoin d'être posées. Et des fois, avoir quelque chose qui peut condenser ces questions, le concentrer rapidement dans votre rendez-vous et cibler les régions qui ont besoin d'être adressées. Premièrement, c'est vraiment important. Lorsqu'on est diagnostiqué pour la première fois, fantastique, dure une inflammation, oui. Lorsque vous vous sentez bien, j'aime toujours dire à mes patients, lorsque vous vous sentez bien, je veux que vous puissiez oublier que vous avez le MI, si c'est possible. Et lorsque j'entends un patient qui dit, tu sais quoi, je me sens si bien que je ne peux même pas croire que j'ai encore le MI, ça rend ma journée beaucoup plus facile. Bon, mais pour faire ça durant une inflammation, de se concentrer sur les points de conversation que vous voulez adresser sont vraiment importants. Lorsque vous changez, Lucie, y a-t-il une façon qu'on peut avoir les réponses qui sont remises ici? Je ne sais pas si c'est possible ou non. Les pourcentages. Oui, oh, c'était bon. C'était là. OK, parfait, merci. Donc, lorsqu'on change de traitement, on voit les réponses au traitement, fantastique, lorsqu'on change de spécialiste. Et seulement une personne a dit qu'il n'utiliserait pas cet outil, possiblement cette personne, sans que leur maladie est en rémission et que ce n'est pas quelque chose qu'ils voient nécessaire. D'une manière ou d'une autre, il semblerait dans vos réponses que vous voyez une valeur ici dans cet outil. Donc, vous pouvez, le code QR est là, vous pouvez scanner ce code et vous pouvez télécharger une copie de la conversation et le guide de préparation. Vous pouvez commencer à l'utiliser dans votre rendez-vous. Et ce serait fantastique d'avoir des rétroactions, des commentaires. Je ne suis pas sûr si à Chronicolette, on peut préparer quelque chose où les gens pourraient fournir des commentaires pour nous sur comment le guide a été reçu avec leurs soignants. Et nous allons faire du travail autour de tout ça, au travers de CanIBD, pour aider tous nos collègues, pas simplement nos collègues médicaux, mais aussi nos collègues de nutrition, les collègues de psychologie et en appréciation de ce guide de préparation. Okay. Donc, je vais passer maintenant le micro et merci pour votre attention. Je vais arrêter de partager mon écran ici. C'était fantastique. Merci, Barbara et Ian. C'était vraiment informatif comme présentation.
et un survol de toutes les raisons clés de gestion. On a partagé le guide de conversation dans le chat. Donc, si vous ici, vous l'avez vu et vous l'avez vu dans le chat, vous pouvez cliquer sur le lien ou copier-coller le lien dans votre URL. Et oui, bien sûr, pour suivre sur ce que Barbara a dit à Chronicle Canada, nous allons recueillir les commentaires. Donc, si vous avez des commentaires sur l'utilisation de cette guide de conversation ou toute autre question, envoyez-nous un courriel à chronicolette.ca et nous allons partager cette adresse courriel durant la fin du compte, à la fin du chat. Et maintenant, je suis vraiment ravi que Tisha se joigne à nous pour partager son expérience d'être, comment elle est affectée, pourquoi le MI, son histoire. Donc, merci Natisha d'être ici. Je te passe maintenant le micro. Merci Sarah. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici pour partager mon expérience de vivre avec le MII. Tel que mentionné, mon nom c'est Natisha. Je suis volontaire en tant que mentor avec Chronicolette Canada. Aujourd'hui, je vais partager comment que j'ai passé de le manque de confiance au système médical et un patient autonomisé qui peut régner sur sa propre santé. J'ai expérimenté les symptômes MI pour la première fois en 2008. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mon médecin de famille m'a référé à un spécialiste pédiatrique et lorsque j'expliquais au médecin que je perdais le sang, que j'avais d'autres douleurs abdominales et un manque d'appétit et d'urgence dans mes mouvements à la selle, il disait que j'exagérais mes symptômes, qu'il m'a renvoyé à la maison tout en recommandant que je prenne de l'Imodium. C'était dans ce moment, lorsque ma crainte initiale et mon manque de confiance a commencé à s'installer, j'étais mis de côté par ce médecin. Mais parce qu'il était un médecin, j'ai cru qu'il était probablement qu'il avait raison. Et donc, j'ai suivi ses conseils. J'ai acheté des Imodium et j'essaie de gérer mes symptômes. Une semaine plus tard, mes symptômes avaient vraiment été empirés. J'avais perdu plus de 15 livres et j'étais extrêmement léthargique. Et à ce point-là, j'étais amené à l'urgence à Kitchener et j'étais envoyé à McMaster's Children's Hospital à Hamilton, Ontario. J'ai passé 2 mois à l'hôpital et après des semaines de tests et de multiples essais, erreurs de médicaments, j'étais finalement diagnostiqué avec la colite indéterminante. Bon, le diagnostic était porté à confusion. Je n'ai pas compris les termes que le médecin utilisait pour m'expliquer ce qui arrivait. La sévérité et le nom en soi indéterminant colite n'avait aucun sens. J'étais envoyé avec les médicaments, Imuran et prednisone. Et après un long 6 mois, finalement, j'étais en rémission. 2 ans et demi plus tard, j'étais hospitalisé encore une fois avec l'inflammation sévère. Après avoir expérimenté les expériences, l'andrologiste qui était sur appel et est venu me visiter m'a dit que j'avais besoin de commencer mes biologiques. Je ne connaissais pas grand-chose sur le biologique à ce moment-là, mais le temps, la pensée d'être sur le biologique me faisait peur. Je me souviens d'avoir Humira qui démontrait toute la liste des les effets secondaires comme le lymphoma. Et lorsque j'ai parlé avec gastro-entrologue de mes préoccupations, elle dit que je n'avais pas le choix. Elle m'a montré un pamphlet et elle m'a dit que si tu ne prends pas les médicaments, voici le pourcentage des patients MII qui sont diagnostiqués avec le cancer annuellement. À la fin de la conversation, elle m'a dit si je choisissais de ne pas prendre les médicaments, qu'il n'y aurait aucune raison pour moi de l'avoir en clinique. Je me souviens d'avoir quitté ce rendez-vous, je me sentais découragé, que je n'avais aucun choix que de dire oui. Autrement, je risquerais de ne pas avoir de spécialiste. C'était ma 2e expérience où j'ai senti que ma voix et mes préoccupations n'étaient pas entendues ou adéquatement adressées. Et dans ma 20aine, j'avais la difficulté à demeurer en rémission, mais mon corps produisait des anticorps ou biologiques qui m'amenaient à des inflammations et finalement l'hospitalisation. À ce point-là, j'étais traité à Toronto par un nouveau gastro-entrologue. Cette gastro-entrologue a jumelé mes niveaux biologiques avec un autre médicament qui s'appelait methotrexate. C'était pour aider à prévenir le développement d'anticorps au niveau biologique. Étant donné que mes inflammations étaient si sévères que j'avais besoin d'une opération durant mon hospitalisation, j'étais d'accord pour ce traitement. Je n'avais pas l'idée tout à fait d'être sur autant de médicaments et basé sur mon expérience avec les anciens médicaments, j'avais peur des effets secondaires.
avec Methotrexate. J'ai expérimenté beaucoup de pertes de cheveux. J'ai dû prendre des suppléments, l'acide folique pour combattre les effets secondaires et j'ai dû éviter d'être enceinte pendant ces médicaments. Et dans le temps, j'ai eu des professionnels qui faisaient des commentaires tels que tu ne veux pas être sur Methotrexate durant tes années que tu possèdes de porter les enfants. Mais j'ai resté sur ce médicament pendant plusieurs années et j'ai resté en rémission. Finalement, j'étais heureuse de vivre sans inflammation et une vie normale. Par contre, lorsque j'ai approché dans la vingtaine, j'ai parlé de ma fertilité, pesait lourd sur mon cœur. Même si j'étais pas prête pour des enfants à ce stade-ci, j'y pensais beaucoup. Je me demandais c'était quoi porter les enfants sur Stelara, les biologiques, et je me demandais qu'est-ce qui pourrait arriver si j'arrêtais le methotrexate et que j'avais une inflammation. Ce sujet est devenu aussi un sujet dans ma relation, j'ai reconnu que je n'avais pas toutes les réponses. Je savais que je devais parler à mon gastro-entérologue et à obtenir des réponses à ces questions. Mais basé sur mon expérience passée, j'avais peur d'avoir cette conversation et pour être perçu comme une personne difficile ou pire, laissé avec aucun gastro-entérologue. Après quelques années d'être sans inflammation, éventuellement, j'ai trouvé le courage pour parler à mon gastro-entérologue de faire des changements sur mon traitement et de prendre des étapes pour débarquer de Methotrexate et éventuellement les biologiques. J'ai partagé avec lui mes raisons de vouloir débarquer ces médicaments et comment que je leur vois le confort de savoir que si j'étais pour être enceinte, je pouvais le faire sans crainte ou préoccupation que j'étais sur un médicament qui pouvait avoir un impact sur cette d'être enceinte. Bon, le gastro-entérologue dit qu'il était préoccupé du fait que j'étais pour arrêter de prendre ce médicament à cause des anticorps qui j'avais développés. Il avait recommandé que, premièrement, que nous faisions un test, une colonoscopie, des tests de sang, des tests anticorps et le FCAL. C'était pour assurer que m'assurer que je débarquais de tout médicament, que j'étais sur la meilleure position pour tolérer tout changement. À ma surprise, mon gastro-entérologue a dit, si j'étais pour débarquer des médicaments, j'aurais besoin d'être vérifié plus fréquemment. Et jusqu'à ce jour, on continue à vérifier ma santé avec des tests sanguins tous les trimestres, des vérifications, des colonoscopies. Mon gastro-entérologue m'a plugué avec un autre spécialiste, un MII fertilité, pour passer au travers du processus, pour parler du risque associé à avoir débarqué des médicaments avant la grossesse. Donc, ce spécialiste a recommandé que je reste sur les biologiques, même durant ma grossesse à cause de ma inflammation de passé, mais elle m'a assuré que la décision finale était à moi. En tout et partout, j'ai senti bien, non seulement avec les résultats de la conversation, mais aussi l'ouverture du médecin à m'entendre. J'ai décidé de rester le cours avec mes biologiques, mais j'ai débarqué du Methotrexate. J'étais heureuse que le nouveau plan de traitement fonctionnait avec efficacité pour moi. Il l'est encore à ce jour. En débarquant de Methotrexate, mais avec mes préoccupations d'être enceinte et de pouvoir me concentrer sur la vie normale et sans ces préoccupations. J'ai trouvé aussi que j'ai plus de confiance dans mon équipe médicale en sachant que je me vois en ce qui a trait à ma santé, les résultats de ma vie. C'est bon de savoir que lorsque je suis prête à avoir des enfants, je peux le faire sans avoir à planifier ou avoir des stratégies. J'ai partagé beaucoup de mon parcours avec MII aujourd'hui, mais la pièce que j'espère que vous prenez, c'est qu'en tant que patient, des fois, on n'a aucun choix de se prendre la défense de soi. Pour finir, j'aimerais partager 4 clés qui m'aident à me sentir plus autonomisée pour gérer mon MII. Numéro 1. Si vous êtes nerveux d'avoir des discussions, ça peut être utile de discuter avec un membre de la famille, avec un médecin de la famille ou de contacter un chronicolite problème de soutien. Et deuxièmement, ça peut être utile d'apprendre la base de les traitements de base en ayant de la clarification sur certains termes médicaux, les tests, les résultats et ce que ça veut dire pour vous et votre traitement. Et trois, ça peut être puissant de comprendre la façon que votre maladie fonctionne. Et ça peut être fait en gardant un journal de symptômes, par le suivi de votre état émotionnel et de voir
les fluides ou la nourriture, les événements stressés. Et quatrième, comme le GEM Project, pour apprendre plus sur les nouveaux résultats et l'avancement derrière la recherche. On doit se souvenir que nos spécialistes ont un objectif, et ça, c'est de garder leurs patients en rémission. Mais ces trucs et astuces peuvent nous aider à naviguer les conversations avec leur équipe médicale et nous autonomiser en tant que patients pour faire part de la conversation en ce qui a trait à notre santé et nos traitements. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leticia, d'avoir partagé votre parcours avec nous et vous nous avez donné de très bons conseils à la fin pour le groupe. Et nous allons certainement partager ces conseils avec le courriel et l'enregistrement. Et c'est important d'avoir ces conversations. Elles sont difficiles à avoir, c'est sûr, mais elles sont importantes lorsque ça vient à la défense de sa propre santé. Merci, Leticia. Merci encore, Ian et Varba, d'avoir été avec nous ici. Nous allons passer à la période de questions et réponses maintenant. De très bonnes questions ont été déjà posées à l'avance lorsque les participants se sont inscrits à l'événement. Nous allons prioriser ces questions et ensuite nous allons pouvoir répondre autant de questions que nous pouvons dans cet événement direct. Si vous avez d'autres questions durant cette période de questions et réponses, vous pouvez les écrire dans la boîte de questions et réponses. Et si vous avez des questions plus tard, vous pouvez nous envoyer un courriel à crone.word.ca. Nous allons commencer avec la première question pour aujourd'hui. Donc, ceci est pour le panel. Barbara, nous pourrons peut-être commencer avec vous, ensuite avec Ian et Netisha. Donc, avez-vous des recommandations pour mieux dormir lorsqu'on vit avec une MII? Generic sleep hygiene. Il y en a certains hygiènes du sommeil génériques, donc fermer tout appareil une heure avant d'aller se coucher, donc les cellulaires, la télévision, les ordinateurs, écouter des podcasts de relaxation ou de la musique de la relaxation, des exercices de prise de conscience. Ce sont des recommandations plus génériques, plus générales. Des recommandations plus spécifiques. Si nous voulons donner une recommandation plus spécifique, disons que vous êtes quelqu'un qui se réveille plusieurs fois la nuit pour des selles. Trouver une façon de minimiser cela, utiliser Imodium au moment d'aller se coucher, tant que ce soit sécuritaire dans votre cas particulier, pour pouvoir réduire la fréquence des selles durant la nuit. Parce que c'est sûr que si on se réveille 3, 4, 5 fois durant la nuit pour aller aux toilettes, nous sommes fatigués le lendemain. Donc, il faut y avoir des stratégies pour réduire le nombre de selles durant la nuit. Donc, on peut utiliser les Colostomy, Colostomy ou Cluster avant de se coucher pour réduire la fréquence des selles. Alors, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Un autre point, si vous avez une ostomie, il y a de plus grands sacs d'ostomie que les gens peuvent utiliser le soir pour s'assurer qu'il y a de l'espace pour relâcher les gaz. Je crois que c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Super. Ian, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ajouterais que, bien sûr, je suis d'accord avec ce que Barbara vient de dire. Elle est fantastique. Je suis très chanceux d'être ici sur ce panel avec Netisha et Barb. Netisha, merci beaucoup. C'est un honneur d'écouter votre histoire. Votre histoire met en lumière un peu ce dont nous parlions. C'est vraiment individuel. Barb a fait un bon travail de nous expliquer de façon éloquente qu'il n'y a pas une seule solution pour tous. Nous devons regarder qu'est-ce qui nous réveille la nuit. Si c'est la diarrhée, ou si c'est de l'insomnie générique. Alors, ça dépend vraiment du scénario. L'un des points communs auxquels nous faisons face, c'est cette urgence de se réveiller la nuit pour aller aux toilettes. Mais ça, ce n'est qu'un des enjeux. C'est peut-être le stress qui vous réveille à 3 heures du matin. Moi, c'est ce qui me réveille à 3 heures du matin. Donc, l'approche dépendra de l'individu.
Tout ce que Barbara dit, c'est vrai. La seule chose que j'ajouterais que pour les symptômes d'urgence, des fois, c'est on peut utiliser des thérapies rectales également. J'en ai pas trop parlé parce que c'était plutôt une présentation générale, mais ça peut être individualisé. En tant qu'individu, si vous avez des urgences parce qu'il y a de l'inflammation au niveau de l'anus, nous pourrons faire des thérapies rectales pour s'assurer que vous ne soyez pas réveillé toute la nuit. Ça pourrait être un suppositoire ou un enéma. Donc, nous prescririons ce genre de traitement avant d'aller se coucher. Donc, si vous avez de la nausée ou des reflux gastriques qui vous réveillent la nuit, vous allez avoir des antiacides. Ça dépend vraiment de la situation. Netisha, c'est-tu quelque chose que vous aviez vécu? Oui, définitivement, lorsque je suis en période de pointe, des fois, je mangeais avant de me coucher. J'essayais de manger plutôt que plus tard, pour éviter de me réveiller plusieurs fois la nuit. Ça ne t'arrête peut-être pas de te réveiller plusieurs fois la nuit, mais au moins, ça limite le nombre de fois que je me lève. Et c'est sûr que j'ai un petit paquet de chaleur, donc un sac magique. Alors, si jamais vous aimez la chaleur, ça peut ajouter du confort. Ce sont de très bonnes suggestions. Merci, Netisha. Et pour ajouter au niveau des douleurs abdominales, nous avons fait des évaluations dans le passé et nous avons vu que les douleurs abdominales étaient ce qui était le plus rapporté. Ian et Barbara, avez-vous des suggestions ou des options que vous pouvez partager lorsque ça vient à la douleur abdominale? Je peux y aller en premier et Barbara pourrait compléter. Mais ça doit être le même thème pour toutes les réponses. J'ai regardé les questions et le même thème revient à la même chose. Ça dépend de l'individu et de la situation. Donc, s'il y a de la douleur abdominale, c'est important d'enquêter quelle est la cause. Et le traitement approprié sera dépendant de la cause. Si c'est dû à une inflammation, le traitement pourrait être des médicaments anti-inflammatoires. Mais si c'est un mouvement intestinal qui est bloqué, on pourrait avoir des médicaments qui augmentent le péristaltisme. Ou si nous avons un intestin irritable, il y aura des traitements pour cela. Donc, il n'y a pas de réponse uniforme pour tout le monde. Prends cette pilule et ça va aller mieux. Non, en fait, les antidouleurs sont souvent l'une des stratégies les moins efficaces pour la maladie des intestins inflammatoires. Et la raison, c'est qu'ils ne vont pas cibler la cause sous-jacente. C'est important de savoir quelle est la cause. Et vous vous souvenez, ma diapo, avec les 4 différentes stratégies, nous devons cibler les médicaments, notre alimentation, notre style de vie et notre bien-être, notre santé mentale, le tout pour gérer la douleur. Donc, au final, je n'ai pas une seule stratégie unique pour la douleur. Vous devez faire une enquête et savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, Ian. La douleur est individuelle. Et la façon dont chaque personne vit la douleur est différente. Et comme Ian a dit de façon éloquente, la racine de cette douleur peut provenir d'une centaine de ressources ou de sources différentes. Donc, c'est très important de discuter de la douleur, d'en parler pendant vos rendez-vous, d'essayer de déterminer quelle est la cause de la douleur, traiter cette cause et ensuite travailler à partir de là. Merci. Prochaine question. What are some new or long-standing management strategies that are still, you know, relevant today? Quelles sont des stratégies de gestion qu'on peut considérer pour une personne plus âgée?
quelqu'un qui a vécu avec le MEI depuis qu'ils étaient des jeunes adultes et qui sont maintenant des adultes avancés dans l'âge. C'est une bonne question. J'ai regardé une étude qui regardait la personne et les soins des personnes vivant avec le MEI, des personnes qui étaient plus âgées que 60 ans. Vous savez, ce que j'adore de la façon dont nous pratiquons les soins du MEI, c'est qu'il n'y a pas d'âgisme dans ma pratique. Et je sais que dans la pratique de Ian, c'est la même chose. Ce n'est pas grave si tu as 20 ans ou 80 ans. Tu as besoin de réduire ta charge inflammatoire avec le traitement le plus efficace que possible. Il y a quelques exceptions au niveau du traitement. Nous utilisons Emiren avec précaution chez les gens qui sont au-dessus de 65 ans avec un risque plus élevé de lymphome, de développement de lymphome. Mais on traite tous les adultes plus âgés de la même façon que tous les autres pour réduire leur fardeau inflammatoire. Les traitements sont sécuritaires. Certains des essais cliniques n'ont pas de grands échantillons de personnes plus âgées, donc des fois, c'est un peu difficile d'extrapoler les données de ces études de cas, mais les traitements sont assez efficaces et sécuritaires, les thérapies biologiques. Nous n'hésiterions pas à les utiliser chez une personne plus âgée. J'ai une personne de 92 ans qui est sur les traitements biologiques présentement. J'adore cette question car je crois que c'est important de savoir que les personnes plus âgées ont les mêmes options de traitement que les plus jeunes. Ian, peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose? Un autre thème, mis à part le thème que ça doit être individualisé, c'est l'autre thème, c'est que je suis d'accord avec tout ce que Barb dit. Ah, 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 tu es drôle, Ian. C'est drôle, mais c'est vrai. Moi, j'ai une patiente qui avait 99 ans et elle a commencé les traitements biologiques. Donc, la stratégie n'est pas différente. Mais la question est plutôt quelqu'un qui vit avec le MEI depuis longtemps. La personne qui utilisait les médicaments biologiques à 99 ans a été diagnostiquée à 99 ans. Donc, il ne l'a pas eu quand il était un adolescent. On le voit à tous les âges, de très jeune à très vieux. Et quelqu'un qui vit avec le MEI depuis des décennies, les stratégies de gestion ne changent pas nécessairement. Donc, quelqu'un qui est en rémission pour un très long moment, est-ce qu'il y a un potentiel de réduire les symptômes? Je pense que c'est bien ce que l'auteur de cette question veut demander. Donc, il peut y avoir une rémission. On peut passer à travers les étapes, parler à son équipe et voir si on peut faire une thérapie de désescalation. Mais ça, c'est pour les gens qui sont en rémission depuis un bon moment. Pas nécessairement pour quelqu'un qui est nouvellement diagnostiqué. Les traitements sont les mêmes. Sauf pour quelques exceptions comme les traitements immunodépresseurs pour les personnes âgées. Il y a une question qui est rentrée. C'est par rapport aux risques dans les adultes plus vieux. Il demandait, est-ce qu'il y a un lien entre le MEI avec cette inflammation prolongée, chronique et le risque de démence ou de troubles cognitifs? J'ai vu cette question. Je crois qu'en général, je dirais que ce serait des maladies séparées. En général, la démence et le MEI ne sont pas reliés. Bien que c'est important de mener une vie saine et de réduire le fardeau inflammatoire sera bon à tous les niveaux et même pour votre cerveau. Donc, il y a des études, des recherches et des preuves probantes qui disent que toutes les maladies sont reliées à l'inflammation dans le corps et la démence
elle issue de, d'états d'inflammation qui ont perduré dans le temps. Le MII n'est pas une cause et un effet, par exemple. La démence n'est pas une manifestation du MII. En général, nous voulons que les gens soient en santé, qu'ils aient une charge inflammatoire diminuée et qu'ils aient une meilleure qualité de vie. Et ça se peut qu'il y ait des bonus. En ayant un bon style de vie, vous pouvez minimiser les risques de démence dans l'avenir. Merci. Je crois que pour la prochaine question, je vais la poser à Natisha. Someone mentioned that they are supporting a family member. Quelqu'un a dit qu'il soutenait un membre de la famille. Ils soutiennent quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué avec la maladie de Crohn. Et vous, en tant que patient, comment est-ce que vous vous sentirez d'avoir des discussions sur le sujet dans le guide préparatoire? Comment est-ce que vous vous sentiriez à utiliser ce guide préparatoire dans les conversations? Est-ce que vous encouragez les membres de la famille qui n'ont pas le MII de partager cela avec leurs êtres chers? Oui, moi, quand j'ai vu ce guide préparatoire, j'aurais vraiment aimé avoir cela en 2008, quand j'ai été diagnostiquée. Quand j'ai été diagnostiquée, il n'y avait pas beaucoup d'informations ou de traitements pour la maladie du Crohn et la colite. Et je dirais que c'est un bon point de départ pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Et encore une fois, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'élément de la santé mentale. Je crois que cet élément pousse beaucoup la conversation. Parce que comme le docteur a dit, c'est une connexion entre ton cerveau et ton intestin. Donc, si ça ne va pas bien en haut, à cause de ce que tu vis, ce sera un cycle perpétuel. Donc, ce serait une bonne façon de commencer ces conversations. Une chose qui m'a aidée à expliquer à ma famille proche et mes amis, c'est quelque chose que vous pouvez rechercher. Vous pouvez googler « food theory ». Quelqu'un explique qu'à chaque fois qu'ils avaient un pic inflammatoire ou se sentaient mal, disons que vous avez 10 cuillères pour la journée. Vous pouvez compléter 10 tâches. Alors, vous avez brossé vos dents, vous avez fait vos cheveux, vous avez fait votre maquillage, vous avez mangé votre déjeuner, vous avez plus de cuillères, vous n'avez plus d'énergie. Alors, quand j'ai expliqué ce concept à ma famille de comment je me sentais, ça les a aidés à comprendre. Donc, je crois que les deux en tandem, ça peut être très utile. Oui, c'est une bonne analogie d'exprimer cette fatigue pour qu'ils comprennent l'impact que ça peut avoir. Merci. Donc, j'ai l'impression que mon prestataire de soins de santé n'a pas trouvé le meilleur médicament pour moi. Comment puis-je lui en parler? Barbara, on va commencer avec vous. Bien sûr, pour moi, cette question est axée sur le fait qu'on ne peut pas vraiment prédire comment un médicament ou comment une personne répondra à un médicament particulier. J'ai l'espoir que dans l'avenir, nous aurons la capacité de prévoir quel patient répondra à quel traitement. Mais pour l'instant, nous basons le traitement sur les meilleures preuves possibles, les données de sécurité et ce qui serait le mieux adapté à un patient. La plupart des médicaments que nous avons, 30 à 40 offrent une chance de rémission. Donc, c'est une belle opportunité de s'améliorer, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe si je ne réponds pas aux médicaments? Alors, pour moi, je crois que la chose la plus importante à savoir lorsqu'un patient ne répond pas aux médicaments, c'est qu'il comprenne quelle est notre cible et combien de temps nous allons attendre pour atteindre cette cible. Donc, des évaluations sanguines, des symptômes, comment nous allons faire une autre endoscopie si on ne voit pas d'amélioration. Et ensuite, comment on va savoir quel plan d'action mettre en place. Donc,
vous pouvez aider votre spécialiste à comprendre votre réponse au traitement. Donc, quand vous allez revenir à votre rendez-vous, vous lui dites, voilà comment je me sentais quand j'ai eu le traitement, voilà comment je me sens dans ma phase de maintenance. Je viens de faire mon calcul fécal. Et juste pour vous le dire, personne n'aime faire un calcul fécal. Personne n'aime ramasser son caca. Mais au bout du compte, mis à part la colonoscopie, c'est le meilleur outil non-invasif que nous avons pour être en mesure d'évaluer la maladie. Et je sais que nous vous achalons pour le faire, mais c'est parce qu'on ne veut vraiment pas que vous soyez obligé de faire une endoscopie si vous n'êtes pas obligé. Je vais vous donner un exemple. J'ai un patient qui avait un calcul élevé fécal, 2 ou 3 000. Elle est allée sur un médicament biologique et ses symptômes, la fréquence, la consistance des selles n'avaient pas trop changé. Mais son calcul fécal est passé de 3 000 à 200. Et elle n'était pas convaincue que ce médicament fonctionnait. Donc, être en mesure de lui montrer, de lui dire, je comprends ce que tu veux dire, mais ça réduit le niveau inflammatoire. Alors, peut-être que maintenant, on peut prendre du recul et regarder d'autres causes de vos selles molles. Donc, savoir quels sont les objectifs, savoir à quoi on s'attend, de savoir combien de temps on doit attendre pour voir si ce médicament fonctionne, et ensuite dire, je me demande si ce médicament n'est pas le bon pour moi, ou peut-être que je ne réponds pas aussi bien que nous l'aurions espéré. Ian? Encore une fois, je suis d'accord à 100%. Si vous pensez qu'il y aurait un autre médicament qui est meilleur et que vous voulez changer, vous avez juste à le demander. Je sais que c'est difficile. Je sais que les rendez-vous, des fois, sont rapides. Ce n'est pas tous les praticiens qui sont aussi faciles d'approche que moi. Et les patients se disent, je ne suis pas confortable de lui poser la question. Mais je comprends ça. Mais utiliser peut-être la secrétaire, les appeler à l'avance, leur dire, j'aimerais parler de ce médicament, envoyer un courriel, dites, voilà ce que j'ai trouvé sur le site web de Crohn et Colite Canada. Donc, si vous êtes un peu anxieuse d'en parler, je vous dis que vous ne devriez pas être anxieux d'en parler, mais je comprends si vous l'êtes. Et si vous l'êtes, peut-être qu'à l'avance, vous pourriez appeler la secrétaire et dire, pendant mon rendez-vous, je veux qu'on parle de ce médicament. Je veux parler au docteur de ce médicament. Donc, vous pouvez aviser la secrétaire à l'avance. Personnellement, moi, j'aime ça. Je veux savoir quelles sont les questions que vous désirez avoir répondues, que je réponde. Natisha, vous avez parlé de faire un sevrage de méthotrexate et d'autres médicaments. Avez-vous d'autres conseils pour quelqu'un qui a peut-être de la difficulté à avoir cette conversation ou peut-être qu'ils ont des réticences de la part de leur médecin? Je vous dirais que dans mon expérience, la première approche que j'ai prise, c'est que j'ai dit que je ne voulais pas avoir de médicaments. J'avais peur des effets secondaires. Mais je ne suis pas allée dans les détails de ces peurs. Je disais simplement, je ne veux pas de médicaments. Pour deux raisons. Parce que quand j'ai commencé en 2008, il y avait seulement deux traitements. En fait, à l'hôpital où est-ce qu'on m'avait évalué, il y avait Remicade et Lumira. J'avais commencé Remicade, j'avais 18 ans seulement. Et j'ai toute une vie à vivre. Alors, je me suis dit, si je prends Humira, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais développer des anticorps à Humira. Ça veut dire que je vais automatiquement avoir une chirurgie. Donc, c'était mes peurs. Et c'est pour ça que je ne voulais plus prendre des médicaments. Je voulais voir qu'est-ce que je pourrais gérer avec la prednisone et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est d'expliquer au médecin quelles sont vos peurs et vos défis. Et comme Barbara l'a dit, des fois, il y a des changements qui se produisent, mais on ne le voit pas tout simplement. Par exemple, les niveaux de CRP.
le fait que ça descend, vous ne verrez peut-être pas des changements dans le symptôme, mais vous les voyez dans les analyses sanguines. Et c'est là que le troisième conseil de ma présentation vient en place, c'est de comprendre les tests, de comprendre les résultats et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et comme ça, vous pouvez regarder les résultats et savoir exactement ce qui se passe. Oui, c'est très important. Parler de nos peurs et la source de nos peurs. And again, the conversation guide can be a place where maybe someone talks or, you know, kind of encore lists une fois, out. Le guide de conversation, c'est là que vous pouvez commencer à parler de vos peurs avant d'avoir un rendez-vous. Allons à la prochaine question. Ensuite, je pense que nous aurons une dernière question et c'est tout. Why do I feel, and maybe I'll broaden this out to both Crohn's disease and ulcerative colitis, but why do I feel fatigued even when my IBD pourquoi is... Pourquoi se sent-on fatigué même lorsque notre colite ulcéreuse est en rémission? You can probably guess what I can say. It depends on the scenario. Vous allez probablement deviner que je vais dire ça dépend du scénario. Alors potentiellement, ça peut être de différentes, pour différentes raisons. Peut-être que vous avez une anémie ou une déficience en vitamines, ou peut-être que vous avez de la difficulté à dormir, peut-être qu'il y a des difficultés de santé mentale. Ça peut vous donner un sentiment de fatigue. Peut-être que votre glande thyroïde est débalancée. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Ça peut être des questions simples sur votre santé générale, santé mentale et des analyses sanguines simples. Si on ne retrouve rien, parce que c'est un scénario qui peut arriver, on a vérifié tout ce que je viens de dire et on n'a rien trouvé. Des fois, une maladie chronique, même si elle est en rémission, elle n'y a pas de cure. Il n'y a pas de cure pour le Crohn et le colite. Donc, il y a des effets qui restent toujours. Donc, ça ne vient, vous n'allez jamais complètement au niveau normal. Et c'est une circonstance rare. Ne le prenez pas pour acquis. Faites une enquête. Assurez-vous que vous êtes vraiment en rémission. Mais il y a des patients qui finissent à avoir un certain niveau de fatigue avec ces stratégies, avec ces maladies chroniques, mais il y a des stratégies pour les gérer. Barbara? Oui, nous avons nous avons fait des thérapies d'acceptance et d'engagement virtuel pour avec un groupe de personnes avec des MII, pas des personnes qui avaient des maladies extrêmement actives ou qui étaient en pic d'inflammation, mais c'est des personnes qui s'étaient portées bénévoles pour participer dans cette séance. Et l'un des symptômes probants qui était commun chez la plupart des participants, c'était la fatigue. Et comme ça a été exploré plus en détail avec les psychologues, comme Ian a mentionné, la fatigue peut avoir de multiples facteurs. Mais certains des patients ont reconnu que c'était de la fatigue mentale, la fatigue de vivre avec cette maladie chronique, peut-être ne pas profiter des activités qu'ils faisaient avant, l'appréhension de quitter la maison, les préoccupations d'avoir un accident. Tous ces vrais défis affaiblissaient la santé physique et mentale de la personne. Et sur 6 semaines, nous avons étayé le sujet. Les gens ont essayé de plonger un peu plus dans le sujet, de sortir de leur zone de confort, et ils ont vu que la fatigue avait diminué. Elle n'était pas disparue, mais elle s'était minimisée. Et comme Ian l'a mentionné, la fatigue, c'est comme un mal de tête. C'est difficile de savoir exactement pourquoi on a un mal de tête et d'avoir une stratégie concrète pour gérer la fatigue. Et une fois que tu as vérifié toutes les autres causes organiques de la fatigue, qu'il vous reste la fatigue de cette maladie chronique. Il y a des études
nurses. She's a PhD now. Une de nos anciennes infirmières MII, elle est une docteure maintenant. Elle a fait sa dissertation sur la fatigue et le MII. Son nom m'échappe. Ça va me venir. Irina Nestor. Si vous faites You would probably find her study, but I'm fairly. Si vous cherchez Google Irina Nestor, vous allez trouver son étude. Et je suis pas mal sûre que son étude c'était sur la fatigue et le MII. Peut-être qu'on peut même le trouver et le mettre dans le chat. Yeah. Ouais. Yes. Thank you so. Okay. Thank you so much. Yeah. And I think we might have a copy of the. Oui, on pourrait avoir une copie de l'article qu'elle a fait. Elle a parlé de l'inconfort et de la douleur aussi, certainement. On va essayer de partager ça ici. Sinon, on va partager d'autres ressources additionnelles on va envoyer le lien à l'enregistrement. Je suis conscient du temps. Il est maintenant 8h30 et je sais que quelques-uns ont mentionné qu'il pourrait rester quelques minutes de plus. Donc, une dernière question, et surtout parce qu'un T-shirt fait allusion. Il manquait d'options, et Barbara t'avait mentionné aussi. Et donc, si quelqu'un a essayé la plupart des options disponibles, à quel point est-ce que l'opération devient une partie de cette conversation? Et est-ce que les patients devraient parler de les opérations tôt dans ces conversations, même s'ils n'ont pas tout à fait essayé les dernières options médicales qui sont disponibles pour eux? Donc, si on pourrait commencer avec toi, Ian, ensuite à Barbara. Et la dernière question, je suis heureux que j'ai resté quelques minutes. De plus, ça dépend, bien sûr. Donc, l'opération n'est pas nécessairement dans le traitement de l'algorithme lorsqu'on va pour les échecs de traitement pour certaines complications comme chronique colite. On a parlé où ça pénètre au travers et ça cause un abcès à l'extérieur de l'intestin ou une fistule ou quelque chose comme ça. Les opérations peuvent être la première étape tôt dans le traitement et cet algorithme. Ça dépend sur la présentation. Et qui vous êtes, qui sont vos symptômes, qu'est-ce que vous expérimentez, peu importe la maladie, et comment elle se présente, et quelles sont les complications en ce qui a trait à l'opération, si c'est approprié pour toi ou non. Donc, oui, c'est quelque chose qui vaut la peine de demander. C'est toujours quelque chose que l'équipe est probablement y pense aussi. Donc, si votre parcours, comment que l'opération peut vous aider, comme j'ai dit, avec une absence pour avoir une opération, en tant qu'opération de dernier ressort, on essaie de se déplacer de tout ça ces jours-ci parce que nous avons tellement de traitements, tellement d'options. On pense beaucoup plus à l'opération comme étant, pas quand c'est approprié, pas parce qu'on a échoué avec toutes les autres options. Même dans les patients qui font les opérations, c'est pas une cure, il n'y a pas de cure pour chronique colite. Donc, ça fait partie de l'algorithme de traitement et d'opération et donc post-opérative, 3-6 mois plus tard, d'être vérifié. S'il y a des signes d'information, on retourne sur les médicaments. Et donc, je sais que vous disiez, bon, OK, si on a essayé trop de médicaments, on devrait aller à l'opération. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on a essayé trop de médicaments qui ne fonctionnent pas, possiblement qu'il y a un quatrième ou cinquième ou un essai clinique ou autre chose. Donc, l'opération, c'est surtout quand c'est approprié, ça peut rentrer à n'importe quel stage finalement. Quelque chose à ajouter? Non, je suis d'accord. Donc, je crois que les opérations, c'est un outil important dans la boîte à outils. Et c'est très important d'avoir ces conversations tôt avec les patients, particulièrement en entour des ostomies temporaires pour aider à guérir les maladies périnales et colectomies pour des cas sévères de colite ulcéreuse qui ne répond pas au traitement. Et les patients qui courent le risque de perforation de l'intestin et de devenir assez malades. Donc, les fistules ou la maladie colite et les règlements de... Il n'y a aucune opération qui va enlever les plaies, finalement. Bon, comme Ian a dit, de comprendre c'est quoi ce rôle et à quoi ça ressemble pour un patient. C'est vraiment important et de savoir que des deux côtés de la gestion médicale, des fois, il y a des options qui pourraient fournir des symptômes. Mais encore une fois,
comme Ian a dit, il n'y a pas de queue pour le compte Colette. Et vous savez qu'on veut minimiser le montant, particulièrement des petits intestins. Parce qu'on ne veut pas que le patient ait des complications nutritionnelles. Colette ulcéreuse, oui, perdent leur colon, ils vont vivre des vies heureuses avec J-Pouch. Mais encore une fois, ce n'est pas sans leur propre risque. Donc, c'est important de noter quelles sont vos options en tout temps en tant que patient. Oui, certainement. OK. Donc, il est 8h35. Donc, merci. Merci tous d'être demeurés un peu plus longtemps pour répondre à quelques questions. Nous l'apprécions énormément. Et tout le monde dans l'auditoire, merci de vous être joints à nous ce soir. Si vous avez d'autres questions ou quelque chose n'était pas clair ou d'autres soutiens lorsque vous naviguez ce parcours de vie avec le MII, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel à learn@chronicolette.ca. Nous allons faire un suivi. Je crois qu'il y a quelques petits diapos ici. OK, bon. Nous avons un sondage ici. Maintenant qu'on a passé au travail des mesures et les stratégies de gérer le MII, comment est-ce que vous notez votre stratégie de gestion de la maladie de Crohn-Colette plus sérieuse? C'est le même genre de question que le début, de 0 à 10. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est important pour nous de noter que l'information ce soir était présentée, était utile pour améliorer votre connaissance sur ce sujet en particulier. Quelques petits moments. Je vois que la plupart ont répondu. Donc, à toi. Terminé. Parfait. Donc, il semblerait que définitivement, il y a une tendance ici à la hausse, surtout pour les individus qui notent de 7 à 9. Donc, c'est bon. C'est encourageant. Je suis heureuse de voir ça. Que la plupart vous rapportez tout ça et vous rapportez d'autres préoccupations en l'entour de la connaissance et de la gestion. Donc, envoyez-nous un courriel à chronicolette.ca. On va pouvoir aider à éclairer ces préoccupations-là. Prochaine diapo. Merci. Donc, j'ai mentionné dans le chat qu'il y a un sondage qui va apparaître lorsque vous allez mettre fin ou quitter le webinar Zoom. Il y a seulement quelques questions, donc ça doit prendre plus que 60 secondes. On regarde chaque pièce de commentaires, ce qui a bien été, ce qui peut être amélioré. Il y aura quelques questions sur la conversation, le guide de conversation. On aimerait que vous puissiez prendre le temps de compléter ce sondage. Merci beaucoup pour votre temps. Et je crois que ça devrait tout terminer pour ce soir. Merci Ian, Barbara, Natisha. Je l'apprécie vraiment d'avoir pris le temps dans votre cellule bien occupée. Merci.